We have been following hate crime victims since July 2018, in Belgium and beyond. Talking to victims and those working in this area, we can see that the crime is just the start of a very difficult journey. Victims face many hardships when reporting the crime, working with authorities and just trying to get justice. We see that victims are still facing old challenges. Yasmin has spoken out about being a victim of a hate crime after she was assaulted in her hometown of Brussels. Victim Support Europe has been talking to victims of hate crimes to understand where authorities failed to help, where things went well, and what needs to be improved. 22nd of February, European Day for Victims of Crime. Making victims' rights a reality. Alors mon prénom est Yasmine et donc je suis une personne transgenre, j'habite à Bruxelles, j'ai grandi ici, je ne suis pas née ici, mais j'ai grandi dans la capitale où j'ai passé toute ma vie, j'ai étudié ici, j'ai été à l'école ici et toute ma vie pratiquement, depuis l'âge de 5 ans, depuis l'âge de 5 ans et demi, je l'ai toujours passé ici en Belgique, à Bruxelles, ville que j'aime énormément, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, et moi si je me présente ici, c'est pour apporter un témoignage tout simple, un témoignage d'agression homophobe, qui m'est arrivé dans le courant du mois d'août. C'était le 22 août 2018. Je pense que c'était un mercredi, mais c'était un jour de semaine. Et il m'est arrivé un événement qui m'était déjà arrivé auparavant, car ce n'était pas la première fois que je me faisais agresser. C'était pas la première fois, mais jusqu'à ce jour, les agressions étaient toujours des insultes. Donc c'était toujours verbal. Mais ce 22 août, c'était une agression physique. Donc il y a eu attouchement. Et c'est ça qui m'a fait me remettre en question. Vraiment, je sais que depuis ce jour-là, je vois un peu les choses autrement. Et je me dis que la sécurité, les lois, il y a des lois qui sont là pour protéger contre l'homophobie, mais elles ne sont pas toujours appliquées. Et pourquoi je dis cela? C'est par rapport donc à ce que j'ai vécu moi. Donc ce 22 août, je venais de la boulangerie, une boulangerie qui est située au centre-ville, c'est la boulangerie Paul, j'avais acheté du pain, comme d'habitude, et je passais tout près, donc je passais à la Bourse, donc la place de la Bourse, je marche. Et là, j'entends des voix, voilà, qui m'interpellent, qui m'appellent. Hey, t'es un homme ou une femme? Je continue à marcher, je dis rien. Hey, c'est à toi qu'on parle. T'es un homme ou une femme? Je continue à marcher, je fais comme si de rien n'était, parce que c'était pas la première fois qu'il me posait la question. Et là, comme je ne répondais pas à ce groupe, c'était un groupe qui était assis sur les marches, un groupe de jeunes, mais c'était un peu mélangé, il devait être 7, 8. Et c'était donc un groupe qui était là, et donc je ne répondais pas à leurs questions, parce que je ne voyais pas pourquoi je devais dire si j'étais un homme ou une femme, d'autant plus qu'à la Bourse, à cette heure-là, il y avait beaucoup de monde. Ils ont crié ça assez fort pour que tous les gens entendent. Donc il y avait tous les gens qui étaient assis sur les escaliers de la Bourse qui me regardaient en se disant, tiens, pourquoi ils lui demandent si c'est un homme ou une femme? C'est un homme ou une femme? Donc les gens regardaient et c'était un peu gênant comme situation. C'est pour ça que je ne voulais pas répondre. D'ailleurs, je n'avais pas à répondre à cette question. Et donc, je continuais à marcher. Et là, comme je ne répondais pas, ils ont continué. Mais là, ils ont été un peu plus méchants. Dans le sens où ils ont commencé à me traiter. Hé, PD, c'est à toi qu'on parle, là. PD, c'est à toi. Hé, travelo. Là, je me suis arrêtée et je suis revenue sur mes pas, donc j'ai décidé d'aller leur parler.
J'ai été vers eux, il y avait tous les gens qui regardaient la scène, là, en se disant, tiens. J'ai été, et là, je leur ai posé la question, j'ai dit, pourquoi vous... comment j'avais dit pourquoi vous êtes aussi méchant ou méprisant? Je ne sais plus ce que j'avais dit. J'avais dit, pourquoi vous êtes méchant ou méprisant? Je ne vous ai rien fait. Voilà, ça, je me rappelle, j'ai dit, mais je ne vous ai rien fait. Et là, un des garçons qui était dans le groupe m'a dit, oui, mais on te voit souvent passer par ici, on te pose chaque fois la question et tu ne réponds jamais si tu es un homme ou une femme. Et là, j'ai dit, en quoi c'est important que je sois un homme ou une femme? Est-ce que moi, je te demande à toi si tu es un homme ou une femme? Là, il me regarde, il me dit, oui, moi, je suis un mec. Je dis, écoute, mais est-ce que moi, je te pose la question? Et à ce moment-là, je n'ai pas vu qu'il y en avait un qui était derrière moi. En fait, derrière moi, mais sur le côté. Je ne l'ai pas vu arriver. Et donc, moi, je parlais avec eux. Et la personne, le garçon qui est arrivé, là, il est venu sur le côté. Je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu au moment... En fait, je ne l'ai pas vu. Je l'ai senti. J'ai senti des mains qui se sont mises sur mon corps. Donc, il a mis ses mains sur ma poitrine en se mettant derrière. Et il a mis les mains sur ma poitrine. Et il leur a dit, regardez, elle a des seins, c'est une femme. Le groupe qui était en face de moi, il lui a dit, non, je te dis, c'est un PD, c'est un travelot. Moi, à ce moment-là, quand il a mis la main sur la poitrine, je vais dire la vérité, j'ai eu très peur, vraiment. Je ne savais plus comment réagir, parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas comment réagir. Donc il y avait la peur, ne plus savoir comment réagir. Il y avait la honte aussi, parce qu'il y avait tous les gens qui regardaient. Tous les gens qui étaient assis sur les marches de la bourse, qui regardaient comme si c'était une sorte de spectacle. Et vraiment, avec le recul, j'ai l'impression d'être comme dans les arènes à Rome, où on a les gens qui sont assis dans les escaliers et qui regardent ce qui se passe. Personne n'a pris ma défense. Ça, vraiment, personne. Moi, je me suis dit, Yasmine, tu te tais. Ça devient dangereux. Tu te tais. L'autre, il t'a touché. Ça s'arrête là. Donc, tu vas rentrer gentiment à la maison. Tu laisses tout tomber. Moi, donc à partir du moment où il m'a touché, j'ai arrêté de discuter, je les ai laissés avec leur BD, travelot, j'ai rien dit. Et j'ai fait donc quelques marches pour rentrer chez moi. Donc j'ai marché un peu. J'avais vraiment peur, j'avais honte. Puis je me disais, écoute, si maintenant s'ils avaient un couteau, là il t'a touché la poitrine, mais si c'était autre chose. Là, sur le coup, je me suis dit, j'ai regretté en fait. Je vais être sincère, j'ai regretté d'avoir été leur parler. J'aurais dû faire comme d'habitude. Continuer mon chemin, ils peuvent insulter, ils peuvent dire des choses méchantes, mais en tout cas, j'ai commis une erreur, c'est d'aller leur parler, il faut pas. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Plus jamais, je n'irai essayer d'avoir des explications si quelqu'un m'insulte. Parce qu'on ne sait pas comment les gens peuvent réagir. Et... voilà, donc ça c'est vraiment la leçon que je retiens de ce qui s'est passé. Donc je continue mon chemin pour rentrer à la maison. J'étais pas très loin de la bourse. Il y a un monsieur qui est venu vers moi. Il m'a dit, madame, j'ai vu ce qui s'est passé. Regardez, il y a une camionnette de police qui est juste en face. Regardez, elle est juste là. Je me suis retrouvée. D'abord, j'ai remercié le monsieur. J'ai dit, merci beaucoup, monsieur. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il m'a dit, oui, j'ai tout vu. Il m'a dit, faut pas faire attention. Mais la police est là, allez leur parler. Je l'ai remercié et j'avais peur que le groupe me voie aller voir la police. J'ai eu peur. Donc ce que j'ai fait un petit détour par la place Saint-Géry. C'est une place qui se trouve à la Bourse. Donc j'ai fait un petit détour par la place Saint-Géry pour aller voir les policiers qui étaient garés sur le boulevard Antoine Dansart. Donc c'est juste en face de la Bourse. Donc les policiers voient, donc de la voiture, ils voient ce qui s'est passé. Donc... comme je ne voulais pas que le groupe me voie, parce que j'avais peur, vu que j'habite dans le quartier et ils me connaissent. Donc j'ai fait le détour et j'ai été voir les deux policiers. Et donc il y avait deux policiers qui étaient dans la camionnette. Je pense qu'il y avait la radio qui était allumée. Ils étaient là, ils étaient assis comme ça. Donc dans la camionnette, ils étaient comme ça, assis. Donc moi j'ai toqué à la porte parce qu'ils m'aiment. Donc ils étaient assis dans la camionnette, donc j'ai toqué. J'ai dit, messieurs, excusez-moi de vous déranger.
Je me rappelle, est-ce qu'il a ouvert la fenêtre ou la porte était ouverte, je ne sais plus. Il m'a dit oui. J'ai dit, écoutez, monsieur, voilà, je viens de subir une agression homophobe à l'instant. Il m'a dit, c'est-à-dire agression homophobe. J'ai dit, écoutez, il y a un groupe là, et je montre du doigt, parce qu'on les voit hein, de la camionnette, on les voit, hein, ils sont là. J'ai dit, ils sont juste là, il y a un groupe, et ils m'ont, en fait, ils m'ont insulté. Donc, ils m'ont insulté. Et il y en a un qui est toujours là, je le montre. Il était là, j'ai dit, il m'a touché la poitrine, et devant tout le monde, et ça m'a fait peur. Voilà, et c'est pour ça que je viens vous dire, voilà ce qui s'est passé, et s'il y a moyen d'aller les interpeller. Alors les deux policiers, en tout cas le policier que j'ai, à qui j'ai parlé, il a regardé son collègue, et il m'a dit, écoutez, nous on vous conseille d'aller au commissariat de police, porter plainte. Je dis, écoutez monsieur, là ils sont là, est-ce que vous pourrez les interpeller, parce qu'il y a des témoins, il y a tout. Ah, il m'a dit, non, nous on est là pour juste surveiller. Pardon, il m'a pas dit, c'est moi qui ai posé la question, j'ai dit, il m'a dit, c'est moi qui ai posé la question, j'ai dit, pourquoi vous faites quoi ici? Il m'a dit, ici on surveille, voilà. Mais je ne me rappelle plus ce qu'il m'avait dit avant. Je sais très bien qu'il avait insisté pour que moi j'aille au commissariat. Il m'a dit, il faut aller au commissariat. Et c'est ça en fait que moi j'ai dit, et vous faites quoi ici? Et là, et voilà, ça me revient. Et j'ai dit, voilà, et vous faites quoi ici? Et là, il m'a répondu, ici nous on surveille. Là, dans ma tête, j'ai dit, tiens, peut-être qu'ils ne doivent pas sortir de la camionnette, peut-être qu'ils sont juste là pour surveiller, parce que bon, dans ma tête, donc, naïvement, j'ai dit, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils sont juste là pour surveiller, mais ça m'avait l'air un peu bizarre que des policiers, ils restent juste là dans la camionnette, occupés à regarder, c'est tout. Donc à quoi ça sert qu'ils sont là, alors, s'il y a un danger? Mais bon, je me suis dit, peut-être qu'ils sont là pour surveiller, peut-être. Je vais au commissariat, je repasse par la place Saint-Géry pour que le groupe qui m'a agressé ne me reconnaisse pas. Là, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour aller au commissariat, je vois trois policiers, deux hommes et une femme. Ils étaient en uniforme, avec le gros gilet, là, par balle. Alors, je me dis, ah, tiens, Yasmine, je vais leur parler. Au lieu d'aller au commissariat, je vais leur dire aux trois policiers. Je leur parle, ils étaient vraiment à la bourse, hein. Vraiment c'était dans le même quartier. Je leur parle, j'ai dit voilà, tout d'abord, je dis voilà, bonjour, messieurs, voilà. Il me dit oui, c'était un homme, il m'a dit oui. J'ai dit écoutez monsieur, je viens de subir une agression. Et je leur explique brièvement, pas trop long, ce qui s'est passé. Donc je dis juste, voilà, ils m'ont insulté et on m'a touché le corps, voilà. On m'a touché, j'ai pas voulu rentrer dans les détails parce que c'était. C'est. En fait, on a honte. On a honte, c'est humiliant, honte. Et j'ai pas voulu dire qu'on m'a touché la poitrine, j'ai dit on m'a touché le corps, tout simplement. Et là, ça je me rappellerai toujours, ça c'est toujours le regard des policiers. Quand ils me regardent, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'ils se disent, tiens, mais c'est quoi? Parce que je pense, j'essaie de rentrer dans leur tête, parce qu'il y a toujours le regard des policiers. Quand je leur dis que c'est une agression homophobe, ils me regardent toujours étrangement. Bizarrement, ils se disent, tiens, alors c'est un homme ou... On voit que dans leur regard, ils sont un peu, je ne sais pas, c'est un regard... C'est pas un regard compatissant. C'est pas un regard encourageant, je vous dis, c'est pas un regard... Et je disais, le regard, il est bizarre. Déjà, le regard des policiers, il est gênant. Ça, c'est vraiment le sentiment que moi, je ressens. Il est gênant. C'est peut-être pour ça que j'avais honte de dire parler de la poitrine, parce que ce n'est pas un regard bienveillant. Voilà. Pourtant, il y avait une femme policier, il y avait trois, donc il y avait deux hommes et une femme. Malgré le fait qu'il y avait une femme, je veux dire, le regard n'est pas bienveillant. Il n'est pas malveillant, mais c'est un regard... un peu froid, je sais pas, en tout cas c'est un regard qui est pas bienveillant, ni malveillant ni bienveillant, c'est étrange comme sentiment. Donc je leur explique ce qui se passe, brièvement, et là un des policiers me dit, ah non on peut rien faire, ce n'est pas notre zone, nous on est de la zone d'XL, ça je m'en souviens. Là, je réponds, je dis, écoutez, monsieur, pourtant, vous êtes en uniforme,
alors vous faites quoi ici? Ah, il m'a dit, écoutez, nous ici, c'est pas notre zone. Là, moi, après ce qui s'était passé avec les deux premiers policiers qui étaient dans la camionnette, là, maintenant, les trois policiers qui me disent, c'est pas notre zone, ça m'a... J'ai commencé un peu à pas m'énerver, mais à avoir une lassitude. Je me disais, mais c'est quoi en fait, c'est quoi ça? Là, eux, les deux policiers dans la camionnette, qui me disent, on fait que surveiller, il faut aller au commissariat. Je veux bien aller au commissariat, je rencontre trois policiers, ils me disent, c'est pas notre zone. Alors, mais ils font quoi là? Et c'est ça, j'ai dit, monsieur, mais vous faites quoi là? Alors là, un des policiers, toujours des hommes, pas la femme, la femme n'a pas parlé. L'autre, il me dit, bon, expliquez-nous ce qui s'est passé. Alors, je lui explique. Alors, il me dit, et la personne qui vous a touché le... Parce que là, j'ai expliqué qu'il m'avait touché la poitrine. Donc, à la deuxième explication, j'ai dit qu'il m'avait touché la poitrine. Alors, il m'a dit, ça, je me souviens très bien, il m'a dit, écoutez, on va aller jeter un coup d'œil. On va rien faire pour le... Vous nous dites qu'ils sont à plusieurs. On va essayer, il m'a dit, on va essayer d'interpeller la personne qui vous a touché la poitrine. Alors, il m'a dit, donc je l'ai décrit. Donc, il m'a dit, décrivez-moi la personne qui vous a touché la poitrine. Je l'ai décrit, j'ai dit que c'était un garçon d'origine maghrébine, donc comme moi, voilà, tout simplement, d'origine marocaine, algérienne. Il devait avoir 23, 24. Je lui avais expliqué qu'il était plus petit que moi de taille. C'était le seul qui avait torse nu, donc il n'avait pas de t-shirt, il était torse nu, il avait un short ou un bermuda orange. Et je lui ai également expliqué que, donc je lui ai dit qu'il avait les dents cassées. Je lui avais dit qu'il avait, parce que je me rappelle quand il m'a touché la poitrine, quand j'ai fait ça, j'ai eu peur, j'avais vu qu'il avait les dents toutes cassées. Et donc je lui avais dit que, donc dans le groupe d'Africa, parce que le groupe qui m'a agressé, c'était un groupe d'Africains, vraiment. Donc, mais celui qui m'a touché, donc c'était aussi un Africain, voilà. Mais j'ai pas, voilà, j'avais dit, je pense que j'avais dû préciser que c'était un Nord-Africain, maghrébin, Nord-Africain. Mais j'avais bien dit que le groupe, ça je me rappelle très bien, j'avais bien insisté pour dire que le groupe c'était un groupe d'Africains, parce que c'était vraiment, je veux dire, c'était majorité des hommes de couleur, on va dire noir. Black Africa. Moi, je suis d'origine maghrébine, du Maghreb, le nord de l'Afrique. Un des policiers m'a demandé d'expliquer ce qui s'est passé et de décrire la personne qui m'a touché la poitrine. Alors voilà, donc j'ai expliqué que c'était un groupe d'Africains, que le garçon qui m'avait touché la poitrine, donc il était torse nu, qu'il avait 23-24 ans, plus petit que moi de taille, il avait un short orange. Et qu'il avait les dents cassées, je lui avais expliqué. Alors il m'a dit, écoutez, allez au commissariat, nous on va aller l'interpeller. Voilà, il m'a dit, on va essayer d'interpeller. Donc moi, eux, je les ai laissés passer, et moi j'allais aller au commissariat. Et puis je me suis dit, Yasmine, va voir un peu, on ne sait jamais comme il y a beaucoup de monde à la bourse, on ne sait jamais que les policiers ne voient pas le groupe, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de touristes à la bourse, il y a beaucoup de garçons africains, il y a des maghrébins, il y a des Belges, il y a beaucoup de jeunes, c'est très mélangé. Et je me suis dit, Yasmine, si jamais, on ne sait jamais qui ne voit pas le groupe, va, mais ne te montre pas. Alors que ce que j'ai fait, donc les policiers sont passés, et moi, donc, je suis revenue à la bourse, mais je me suis mise dans un endroit près du Irish Coffee. En fait, il y a un Irish Coffee qui fait le coin. Et comme en ce moment, en fait, ils sont occupés à faire des travaux à la bourse parce qu'ils sont occupés à faire le piétonnier. Donc, j'étais cachée par une sorte de balustrade, en tout cas quelque chose qui protège en fait les gens. En fait, c'est pas qui protège, mais qui évite que les gens aillent dans les travaux. Donc, j'étais cachée par ça, mais je voyais ce qui se passait. De peur que le groupe me voie. Et donc, je vois les policiers, ils voient le groupe. Parce qu'ils étaient toujours assis au même endroit, donc le groupe qui m'avait agressé. Ils étaient tous assis au même endroit. Je vois les policiers qui y vont. Ils voient la personne qui m'a touché. Je vois qu'ils regardent. Et après, ils reviennent sur leurs pas et ils partent. Et moi, naïvement, je vous assure naïvement,
J'ai cru, je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils ne les ont pas reconnus. Je dis, tiens, mais la police, peut-être qu'elle ne les a pas reconnus. Qu'est-ce que j'ai fait? 2 jours pour qu'ils ne me voient pas, le groupe ne me voit pas, parce que vraiment, j'avais peur pour qu'ils ne me voient pas. J'ai suivi les policiers qui retournaient en arrière. Et là, j'ai commencé à les appeler. J'ai dit, messieurs, messieurs. Et c'était à la rue des Pierres. Voilà, rue des Pierres, donc une rue au centre-ville. J'ai dit, messieurs, messieurs, dames. J'ai dit, excusez-moi, mais vous ne les avez pas vus. Ils sont là, ils sont là. Et là, j'ai vu que les policiers, quand ils ont vu que je les appelais, ils n'étaient pas à l'aise. Ils étaient un peu embarrassés. Parce qu'à mon avis, ils ne s'imaginaient pas que j'étais là pour voir un peu ce qui se passait, s'ils allaient interpeller les gens. Mais moi, vraiment, j'ai suivi les policiers. Ce n'était pas pour voir s'ils allaient les appeler ou les interpeller. C'était vraiment pour être certaine qu'ils ne se trompent pas de groupe. Parce qu'il y a beaucoup de gens. C'était vraiment ce groupe-là et pas un autre. Donc, quand ils m'ont vu, j'ai vu qu'ils étaient un peu embarrassés, un peu gênés. Il y en a un qui me dit « Oui ». J'ai dit « Monsieur, oui, vous n'avez rien fait ». Et à un homme, la femme n'a jamais parlé, c'était l'homme policier, il m'a dit « Oui, mais la description que vous nous avez faite du garçon qui vous a touché la poitrine n'est pas correcte, n'est pas conforme ». J'ai dit « Pardon ?» J'ai dit « Comment ça n'est pas correct ? » Je vous ai décrit les vêtements, tout, les dents qui étaient cassées. Ah, il m'a dit « Oui, mais vous nous avez dit que c'était des Africains ». J'ai dit « Oui, le garçon qui m'a touché, c'est un Africain, un Nord-Africain ». Ah, il m'a dit « Oui, mais nous ici à la police, on fait la distinction entre les Africains et les Nord-Africains ». J'ai dit « Pardon ?» J'ai dit « C'est-à-dire ?» Il m'a dit « Écoutez, pour nous ici à la police, les Africains sont noirs et les Nord-Africains, ils ont la peau mate. Et vous nous avez dit un Africain, un groupe ». J'ai dit « Oui, un groupe d'Africains ». J'ai dit « Mais la personne qui m'a touché, maghrébin, Nord-Africain ». J'ai dit « Écoutez, monsieur, mon papa vient d'Algérie. Il vient d'Afrique, il vient pas de... Je dirais, mon papa, il est algérien, il est africain. » Ah non, non, il m'a dit. Il fallait être plus précise. Il fallait dire nord-africain. Parce que nous, on fait la distinction Afrique et Nord-Afrique. Là, je me suis dit, d'abord, je me disais, mais... Vraiment, il fallait que dans ma tête, je me disais, mais attends, on va où? Et là, je lui ai dit, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, écoutez, monsieur, si c'était un blanc qui m'avait agressé, alors j'aurais dû dire nord de l'Europe et le sud de l'Europe, parce que le nord de l'Europe, ils sont blonds, et le sud de l'Europe, ils ont le teint méditerranéen, donc j'aurais dû dire nord de l'Europe, sud de l'Europe. Quand j'ai dit ça, ils m'ont regardé, il y en a un qui a eu un petit sourire, et il m'a dit, bon, de toute manière, on vous a dit que c'est pas notre zone, on peut rien faire, allez au commissariat. Ben, quand il m'a dit ça, je me disais, mais où est-ce qu'on vit? Les premiers policiers, ils ne sortent pas de la voiture, ils te disent va au commissariat. Là maintenant, il y a 3 autres policiers, tu leur expliques, ils te disent qu'il faut faire la différence entre les Africains et les Nord-Africains. Je me suis dit, Yasmine, laisse tomber, ne va pas au commissariat, ne va pas perdre ton temps, parce que là, c'est occupé à... Je te dis, on est occupé à tourner en rond. Le temps que tu perds, l'énergie que tu perds, tu as l'impression... Il y avait toute une remise en question. Je me disais, regarde Yasmine, on dit qu'il y a des lois contre l'homophobie qui te protègent. Les politiques font des lois, mais elles ne sont pas appliquées. Donc les policiers qui sont les représentants, on va dire, des politiciens, donc qui sont chargés d'appliquer les lois, les 2 premiers... Ils ne sortent pas de la voiture. Ceux-là, ils te prennent pour une idiote, africain, nord-africain, laisse tomber. Et donc, je marchais pour rentrer chez moi. Et je me disais, allez, qu'est-ce que j'ai fait? Je laisse tomber ou je vais au commissariat, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, je me suis dit non. Jusqu'à présent, quand on t'insultait, on te disait pédé, t'as toujours rien dit, tu dis tu. T'as toujours rien dit. T'as jamais été au commissariat pour ça. Mais cette fois-ci, Yasmine, tu vas, dans ma tête, hein, je me disais, tu vas y aller parce que maintenant, c'est grave. Il t'a touché. On ne touche pas comme ça les gens dans la rue. Déjà, on ne les insulte pas dans la rue. Moi, je n'ai jamais insulté. Jusqu'à présent, on m'a toujours... En fait, quand on m'insultait, je le jure, je n'ai jamais répondu. Je ne réponds pas aux insultes. Parce que j'ai pas... Déjà, à la base, je ne suis pas quelqu'un de violent.
J'ai subi de la violence. Mais je ne veux pas ressembler aux gens qui m'ont fait subir la violence. Vraiment, s'il y a une leçon que je veux garder, ne jamais ressembler aux gens qui m'ont fait du mal. Et donc, dans le chemin pour aller chez moi, je me disais, non, Yasmine, il ne faut pas te laisser faire. Cette fois-ci, ils t'ont touché, tu vas aller au commissariat. Même s'il faut faire la file, tu vas au commissariat et tu fais la file. Donc, je vais au commissariat rue Marché au Charbon. Il y a des policiers qui sont à l'entrée de la porte. Et ils me disent, moi je veux rentrer, ils me disent, oui, c'est pour. Je dis, écoutez, c'est pour porter plainte. Alors, déjà, ils me disent, porter plainte pour, je dis, écoutez, pour une agression homophobe. Déjà, les policiers qui sont à l'entrée, là, pour protéger l'accès, ils ont une arme. Hein. Déjà, leur attitude, c'est, ils vous disent pas, oui, rentrez. Déjà, directement, il m'a dit, oui, mais je vous préviens, il y a deux heures et demie d'attente, de file d'attente. Donc, c'est comme si ils essayaient déjà de vous dire, voilà, il faudra attendre. Je l'ai regardé, je dis, écoutez, monsieur, c'est pas grave. S'il faut faire 2 heures ou 2 heures et demie de file d'attente, j'attendrai. Je suis rentrée. Et j'ai attendu mon tour. Il y avait des gens qui étaient là. J'ai attendu. Et quand c'était mon tour, donc je me suis présentée au guichet. Là, c'était une dame. Je lui ai donné ma carte d'identité et je lui ai expliqué que c'était donc j'avais subi une agression homophobe. Mais juste agression, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors elle m'a dit, veuillez patienter, on va vous appeler. Là, j'ai patienté, j'ai attendu, et longtemps, mais pas 2 heures et demie, c'était un peu plus court. Il y a des gens qui étaient arrivés après moi, qui passaient avant moi. Ça aussi, je me disais, tiens, comment ça se fait qu'il y a des gens qui arrivent après moi et qui passent avant moi. Mais je ne voulais pas rentrer, je me disais, s'il faut attendre toute la nuit, tu attendras toute la nuit. Et donc, il y avait des gens qui passaient avant moi, et j'attendais. Et puis à un certain moment, j'ai été voir la dame, j'ai dit, écoutez madame, il y a des gens qui... Donc la dame à qui j'avais donné ma carte d'identité, je dis, madame, excusez-moi, mais il y a des gens qui viennent après moi, mais qui passent avant moi. Alors elle m'a dit, écoutez, elle m'a dit, c'est normal, elle m'a dit, parce que pour les agressions homophobes, elle m'a dit, il y a une personne qui s'occupe que de ça. Elle m'a dit, on a créé une cellule, si mes souvenirs sont bons, hein, parce que je ne me rappelle plus exactement des mots qu'elle m'a dit, mais j'ai l'impression qu'elle m'a dit, ici au commissariat, on a créé une cellule uniquement pour les agressions homophobes, pour prendre les témoignages. Alors elle m'a dit, il faut attendre. Et dans ma tête, je me suis dit, tiens, c'est bien, ils ont créé une cellule rien que pour ça. Mais comment ça se fait qu'il faut attendre aussi longtemps? Parce que dans la salle, il n'y a que moi qui... peut-être quelqu'un d'autre, mais je n'avais pas l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre. Donc je me disais, mais pourquoi il faut attendre aussi longtemps? Mais je me disais, s'il faut attendre la nuit, eh ben j'attendrai. Donc j'ai attendu, et finalement il y a un monsieur qui m'a appelé, et il m'a fait rentrer, et il m'a dit, madame, veuillez vous asseoir. Le madame, c'était très important, parce que c'est la deuxième fois que j'ai une aventure, une mésaventure avec la police. Parce que j'ai déjà eu une mésaventure avec la police. Quand je dis mésaventure, c'est parce que c'est pas, je veux dire, j'étais pas fautive. La première fois que... En fait, j'ai eu une drôle d'expérience avec la police. Une première fois, c'était en... Je me demande si c'était pas septembre 2016. Avec le même commissariat. Donc là, je fais une petite entr'acte et après je reviens. Donc en septembre 2016, si mes souvenirs sont bons, je ne me rappelle plus exactement la date, mais je sais que c'était la fin de l'été, en tout cas septembre, août 2016, je venais de m'installer dans la ville, et je me rappelle, c'était un jour, il faisait très beau, et j'étais sortie pour aller à la grande place. Il y avait des policiers qui étaient là, donc devant le commissariat, je ne sais pas s'ils prenaient l'air, ou en tout cas ils étaient plusieurs, et ça je me rappelle ce jour-là, quand je suis passée devant eux, donc je dis bien devant les policiers. Hein. Quand je suis passée devant eux, je me rappelle, je marche et j'entends. Donc je marche dans la rue Marché au Charbon pour aller à la grande place. Et je me rappellerai toujours, j'ai entendu « Bonjour monsieur ». Quand j'ai entendu « Bonjour monsieur », je me suis dit « Tiens, c'est pour moi qui dit ça ». Ça venait d'un des policiers. Hein. Je me suis dit « Tiens, ça vient de... c'est pour moi ». Et puis j'ai regardé, en regardant...
à droite, en fait, pardon, à ma gauche, parce que je confonds toujours droite et gauche. Donc à ma gauche, il y a un petit restaurant, je ne sais pas si c'est thaïlandais ou chinois, en tout cas, il y a un petit restaurant asiatique. Il y avait des gens qui étaient assis, qui mangeaient, et eux aussi, ils ont entendu bonjour monsieur. Et donc, ils me regardaient. Donc, donc, je regarde, et je vois les gens qui sont assis dans le restaurant asiatique, qui me regardent. Donc, ils ont bien entendu bonjour monsieur comme moi, et ils ont bien compris que c'était pour moi, parce qu'ils me regardaient, mais avec un regard curieux. Ils devaient se dire, est-ce que c'est un homme? Pourquoi ils lui disent bonjour monsieur, c'est un homme ou une femme? Là, le regard des gens, je ne pouvais pas me tromper, c'était pour moi. Et là, je me retourne et je vois, je me rappellerai toujours, c'était un grand. Donc, il y avait plusieurs policiers, hein, et c'était un grand, et il avait un sourire comme ça. Là, j'ai compris que c'était pour moi. Comme à la bourse, c'est toujours le même sentiment, c'est la honte. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, il n'y a pas de violence, vraiment. Mais le premier sentiment que j'ai, c'est la honte. Et très vite, hein, dans ma tête, je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai quelque chose qui peut-être que j'ai oublié de mettre un truc qui fait qu'on voit que je suis que je suis. C'est pour ça qu'il m'a dit monsieur. Peut-être quelque chose qu'on voit. C'est pour ça qu'il m'a dit monsieur. Donc je me retourne. Donc je le vois avec le petit sourire là dans le coin. Je vois les autres qui disent rien. Ils regardent. Et là, moi, pour ne pas perdre la face, parce que j'avais vraiment honte, mais je voulais pas montrer que j'avais honte. J'ai regardé, j'ai dit bonjour messieurs, ravi de faire votre connaissance. En disant ça, j'ai vu que leur regard, il avait changé. Parce que je sais pas ce qui. Moi, je sais que c'était méchant. Bonjour monsieur, il l'a dit parce qu'il savait. Il savait. Moi, j'ai pensé, je savais que c'était méchant parce que je me disais, si j'avais été, je ne sais pas moi, une personne âgée, il aurait dit bonjour la vieille. Si j'avais été grosse, il aurait dit ou plantureux. Si j'avais été en surpoids, il aurait dit bonjour la grosse. C'était vraiment, dit bonjour monsieur, c'était vraiment pour blesser. Ça, il n'y avait aucun doute. Moi, donc, pour ne pas perdre la face, parce que j'avais honte, mais je ne voulais pas le montrer. J'avais honte, mais je ne voulais pas montrer ça aussi aux gens qui étaient assis là dans le restaurant. Enfin, ce n'est pas un restaurant, c'est un petit snack asiatique. Ils étaient assis là avec les tables. Je ne voulais pas montrer. Donc, j'ai dit bonjour, messieurs, ravi de faire votre connaissance. Et j'ai continué mon chemin. Mais je voulais rentrer chez moi à la maison. Je ne voulais plus. Parce que je me suis dit, rentrer à la maison. Rentrer à la maison parce que je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai oublié sur moi. Je suis rentrée. Et je me rappelle, en montant les escaliers, j'ai rencontré mon voisin, Franck. Et il m'a dit, Yasmine, qu'est-ce qu'il y a? Et je dis, rien, rien. Il m'a dit, non, non, qu'est-ce qu'il y a? T'as une drôle de tête. Alors je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Alors c'est là qu'il m'a expliqué. Il m'a dit, Yasmine, il y a ici à côté, en fait, ici à côté, à la rue Marchand Charbon, il y a la Rainbow House. Il m'a dit, tu vas téléphoner, voilà leur numéro de téléphone, tu vas prendre rendez-vous. Et tu vas leur expliquer ce qui s'est passé. Et en fait, c'est comme ça que j'ai connu la Rainbow House. Suite à ça, la Rainbow House, je vais résumer, ils ont organisé une réunion. Parce qu'apparemment, avec la police, il n'y avait pas que moi. Il y avait d'autres témoignages de personnes LGBT qui avaient quelques petits problèmes, en fait, avec le comportement de la police. Voilà. Comme quoi certains agents de la police n'ont peut-être pas toujours un comportement correct vis-à-vis des personnes LGBT. Donc apparemment, mon témoignage n'était pas le seul. Il y en avait d'autres, et c'est vrai, parce que quand la réunion a été organisée, je ne me rappelle plus à quelle date. Je pense que ça devait être octobre ou novembre 2016, si je ne me trompe pas. Moi, je me suis présenté, j'ai ramené mon témoignage. Il y avait d'autres témoignages. Et ça, c'était bien, parce qu'il y avait des agents de police qui s'étaient déplacés. Il y avait un commissaire, ou je ne sais plus quoi exactement. Je ne me rappelle plus. Et voilà, donc mon témoignage, je l'ai apporté lors de la réunion. Et après la réunion, quand la réunion s'est terminée, j'avais parlé je ne sais pas si c'est un monsieur commissaire, mais je sais qu'il avait un grade. Et j'avais demandé à ce monsieur,
J'avais dit, monsieur, s'il vous plaît, je dis, voilà, vous avez écouté mon témoignage, j'aimerais vous demander juste un petit quelque chose. C'est, j'aimerais juste parler à l'agent de police qui m'a dit, bonjour, monsieur. J'ai dit, parce que je le reconnaîtrai. J'ai dit, parce qu'il est grand de taille, et vu l'heure, il y avait l'heure, la date. J'ai dit, vous savez, je le reconnaîtrai. Je peux pas, son visage est vraiment là, je le vois. Alors j'aimerais juste lui parler, pas méchamment, monsieur, vraiment, il n'y a pas une fraction de violence, ni de méchanceté, ni d'agressivité envers moi, je veux dire envers lui, c'est juste pour essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi ? Parce que moi, pour moi, la police, jusqu'à ce jour-là, moi, la police, c'est l'ordre. Voilà. Un policier, c'est quelqu'un qu'on doit respecter. Il est là pour nous protéger. Il représente la sécurité, l'ordre, le maintien de l'ordre. Moi, depuis ce jour-là, un policier qui me dit bonjour monsieur, mais par méchanceté, je me disais, mais c'est pas un policier. D'autant plus qu'ils ont des armes. Je me disais, mais c'est pas le comportement d'un policier. Et je voulais vraiment pour moi, monsieur, je l'avais dit vraiment pour moi, juste lui essayer de comprendre pourquoi il m'a dit ça. Alors il m'a dit non. Il m'a dit, non, moi en tout cas, on n'organise pas ce genre de confrontation. Il m'a dit non. Alors je n'ai pas insisté, j'ai dit, écoutez, ça va. Je n'ai pas insisté, mais il m'a dit, écoutez, il m'a dit, on va organiser des formations, en tout cas, pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. Mais il m'avait dit, voilà, ça ne se reproduira plus. Voilà, donc ça, c'était pour la petite entracte qui s'était passée en 2016. Et là, je reviens à mon histoire de ce qui s'est passé en 2018, août, donc à la Bourse, donc quand je me suis présentée au commissariat. Et là, on m'a dit, madame. Et on a créé cette cellule, et c'est là que je me dis peut-être que c'est dû à la réunion qu'on avait faite en 2016 à la Rainbow House. J'espère que je ne me trompe pas pour l'année, je pense que c'était en 2016. Parce que moi, les dates, quelquefois, je... Et je reviens donc à ce qui s'est passé à la Bourse. Donc j'ai été au commissariat de rue Marceau Charbon, j'ai fait la file, on m'a appelé. Et donc je me suis assise, le monsieur m'a dit asseyez-vous, je me suis assise, il m'a dit est-ce que vous voulez boire quelque chose, j'ai dit non merci, j'avais pas soif, j'avais une boule, mais vraiment j'avais ni faim ni soif, j'avais une boule ici, avec tout ce qui s'était passé, les nerfs aussi, et donc gentiment j'ai dit non merci, alors là voilà, il m'a dit je vous écoute, et donc j'ai apporté mon témoignage. J'ai expliqué, donc lui il écrivait sur le PC, il tapait, et j'ai expliqué donc l'agression, le monsieur qui m'a touché la poitrine, le jeune qui m'a touché la poitrine, le jeune, les deux policiers sur à l'avenue Antoine Dansart, donc les deux policiers dans la camionnette, je lui ai expliqué, et les trois policiers aussi, je lui ai expliqué l'attitude des trois policiers avec l'histoire africaine, nord-africaine, et voilà, j'avais tout dit. Donc lui, donc il a écrit et après donc il a imprimé et il m'a dit voilà, il m'a présenté le papier, il m'a dit lisez-le et si vous êtes d'accord, il faut signer. Il m'a dit vous signez. J'ai pris le papier et j'ai commencé à lire. Donc voilà, je lisais et puis j'ai dit monsieur, j'ai dit oui, j'ai dit tout est correct, hein, donc la description de la personne qui m'a touché la poitrine et tout. J'ai dit mais vous parlez pas des trois policiers qui m'ont dit africain, nord-africain, et vous ne parlez pas des deux policiers, les deux premiers policiers à qui j'ai parlé. Alors il m'a regardé, il m'a dit oui, et il a regardé un camarade qui était là, il m'a dit oui, j'ai dit pourquoi vous ne l'indiquez pas. Alors il m'a regardé, il m'a dit écoutez, de toute manière, pour les trois policiers, les trois policiers. Pour lequel vous avez une discussion là, avec l'histoire des Nord-Africains africains, il m'a dit, vous nous avez dit qu'ils étaient hors zone. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas indiqué, ils ne sont pas de notre zone. J'ai dit, ah bon ? J'ai dit, même si c'est, parce qu'eux, ils m'avaient dit la zone d'XL. J'ai dit, comme c'est une zone d'XL, vous ne l'indiquez pas. Il m'a dit, non, ce n'est pas notre zone. J'ai dit, ok, ça va. Donc vous ne l'indiquez pas. Il m'a dit, non, ce n'est pas notre zone. J'ai dit, mais les deux autres flics là, qui étaient à l'avenue, Antoine Dansart dans la camionnette, j'ai dit, eux, ils étaient bien de la zone 1000 Bruxelles. Il m'a dit oui. J'ai dit, alors là, pourquoi vous ne l'indiquez pas? Et donc, j'ai dit, monsieur, mais ok,
les trois policiers qui m'ont dit nord-africain, pas africain, vous me dites que vous ne les reprenez pas dans le procès verbal parce qu'ils ne sont pas de votre zone, ok. Mais les deux autres policiers qui étaient dans la camionnette, eux, ils sont bien de la zone de la ville de Bruxelles. Il m'a dit oui. Alors je dis, alors pourquoi vous ne l'indiquez pas? Là, j'ai vu que, mais, comme j'ai dit, écoutez, si vous ne l'indiquez pas, je ne signe pas. Alors il m'a dit ok. Alors bon, il m'a dit, je vous écoute. Alors de nouveau, j'ai dit, voilà, je me suis adressé à ces deux policiers. La première fois, ils étaient dans la camionnette, ils n'ont rien fait. Ils m'ont dit de venir au commissariat. Ils ne sont même pas sortis de la voiture, de la camionnette, pardon, c'était une camionnette. La radio était allumée, ils étaient là. Les personnes qui m'ont agressé, ils étaient là. Ils auraient pu les arrêter, il y avait des témoins, ils n'ont rien fait. Alors il a indiqué ça dans le PV. Alors j'ai de nouveau, il a imprimé, je l'ai relu. Il n'y avait pas les trois policiers pour la zone d'XL, donc il m'a dit que ce n'était pas leur zone, mais après je me suis renseigné, il paraît que ce n'est pas vrai, ils auraient dû l'indiquer. Parce qu'il n'y a pas de zone XL, ou la zone XL ou Mille Bruxelles, il aurait dû l'indiquer, mais ça je l'ai su après. Mais bon, comme il m'avait dit que ce n'était pas la zone, moi j'ai cru ce que le policier m'avait dit, donc j'ai signé. J'ai signé le papier. Et après, il m'a dit, donc en signant, il m'a proposé, il m'a dit, est-ce que vous voulez une aide psychologique? J'ai dit, non monsieur, j'ai dit, je ne vais pas faire perdre du temps au psychologue. J'ai dit, il y a des cas beaucoup plus graves que les miens. J'ai dit, moi, il m'a touché la poitrine. J'ai dit, il y a d'autres personnes qui se font frapper dessus, qui ont peut-être reçu des coups de couteau. J'ai dit, cela, je pense qu'ils ont plus besoin d'une aide psychologique que moi. J'ai dit, moi, psychologique, vous savez, moi, je regrette une seule chose, c'est que j'aurais jamais dû leur parler. J'aurais dû continuer à marcher, ne pas répondre à leurs insultes. J'ai dit, ça, c'est une erreur de ma part. Je regrette plus jamais, monsieur, plus jamais. Plus jamais, si on me manque de respect, on m'insulte, plus jamais je réponds. Parce que je vois que même la police, quand on va les voir, ça aussi ça m'a choqué, j'ai dit même la police, quand on va les voir, ils ne font rien. Voilà, j'ai dit, ça c'est un gros regret. Donc, psychologie, l'aide psychologique, je laisse ça à des personnes qui sont beaucoup plus atteintes que moi. Et l'agent qui a encodé mon procès verbal m'a donc proposé une aide psychologique. Et je lui avais expliqué, j'ai dit, écoutez monsieur, il y a des cas beaucoup plus graves que les miens. Et je préfère laisser les psychologues travailler avec des gens qui se font frapper, qui se font agresser, violer, voler. J'ai dit, moi, il m'a touché le corps. J'ai dit, moi, je regrette parce que j'ai un peu ma responsabilité. J'aurais jamais, jamais dû aller leur parler. La prochaine fois, on m'insulte, je me tais, je continue mon chemin. Parce que là, il m'a touché la poitrine, ça aurait pu être pire. Ils auraient pu me donner un coup de couteau. En plus, la police ne fait rien. Les deux premiers policiers, je lui avais expliqué, ils ne sortent pas de la camionnette. Les trois autres me parlent d'Africains, nord-africains. Je dis, on n'a aucune aide nulle part. Je dis, l'aide psychologique, je préfère la laisser alors dans ce cas-là à d'autres personnes qui sont beaucoup plus gravement affectées que moi. Et moi, plus jamais, je tire une leçon, plus jamais, je n'irai parler à des gens qui m'insultent. C'est fini. Voilà. S'il y a une leçon à tirer de cela, c'est celle-là. Il m'a dit, non, madame, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, si, si, monsieur. S'il y a une leçon qu'il faut tirer, c'est celle-là. Plus jamais, je n'irai parler à quelqu'un qui me manque de respect. C'est fini. Voilà. Ça ne sert à rien de discuter, monsieur, avec des gens. Voilà. Je suis libre de marcher, de m'habiller comme je veux. Eux, ils sont libres de m'insulter. Voilà. Il y a des lois. Il y a des lois contre l'homophobie. Mais encore, faut-il encore les appliquer. Et là, apparemment, les policiers doivent encore apprendre à les appliquer. Voilà. Et alors, il m'a dit... je me rappelle, il m'a dit, c'est signé. Je ne sais pas si vous espérez une compensation. Je dis, c'est-à-dire une compensation. Il m'a dit, oui, si vous espérez avoir une compensation financière, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Je dis, écoutez, monsieur, vous pensez vraiment que je suis venu faire mon témoignage pour avoir une compensation financière? Je dis, écoutez, si je vous dis, franchement, yeux dans les yeux, que je ne savais même pas qu'on avait droit à une compensation financière. Si vous pensez que je suis venu pour ça... Ah, il m'a dit, non, mais je tiens quand même à vous le dire. J'ai écouté, en tout cas, monsieur, moi, je n'espère rien du tout. Vraiment. J'ai déposé mon témoignage. Ce n'est pas la première fois qu'on m'insulte.
Cette fois-ci, je dépose mon témoignage parce qu'on m'a touché, mais compensation, je ne savais même pas que ça existait. Alors, ça ne sert à rien de me parler de compensation ou quoi que ce soit. Alors, sur ça, il m'a dit, voilà, donc c'est terminé. J'ai dit, ça va. Alors, il m'a dit, ça, je me rappellerai très, très bien. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? J'ai dit, parce que je pense que le groupe est toujours là. Ah, il m'a dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, on va envoyer une patrouille. Ça, je me rappelle très bien. Il m'a dit, on va envoyer une patrouille et on va les arrêter, les appréhender, il m'a dit. J'ai dit, ça va. J'ai dit, écoutez, ben, ça va. Et voilà, donc, il m'a dit, on va envoyer une patrouille, on va les arrêter. Moi, quand il m'a dit ça, j'étais contente. Je me disais, ah, ça y est, enfin. Mais il était tard, hein. Il devait être... Ben, écoutez, il était tard quand je suis rentrée. Je ne me rappelle plus. Je sais que l'agression a dû se passer vers les 15... Parce qu'il faisait jour. Quand je me suis fait agresser, il faisait très chaud. Il faisait jour. Il devait être peut-être 15h30 ou je ne sais plus. Mais quand je suis partie, est-ce qu'il devait être 20 ou 21h? Je ne sais plus. Je ne sais pas si l'heure est indiquée dans mon... Parce que le PV, je ne sais pas si l'heure est indiquée. Je ne me rappelle plus de l'heure. En tout cas, il devait être peut-être 20h, 21h, je ne sais plus. Et donc, moi, je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée à la maison. J'ai mangé, parce que j'avais faim, j'avais rien mangé. J'avais pas bu. J'avais mangé un peu. J'avais mangé, je me rappelle, pas beaucoup, mais j'avais mangé des biscottes. J'avais bu. Et puis, un ami à moi qui m'a appelé. Un ami qui s'appelle Bombi. Il m'a dit, Yasmine, je suis tout près de chez toi, est-ce que je peux te passer te faire un coucou? Je dis, écoute, Bombi, je suis à la maison. Et voilà, donc si tu veux passer, mais je veux dire, j'ai pas la tête à parler, ou voilà, parce qu'il m'est arrivé quelque chose, une agression, je lui avais dit. Donc si tu passes, il m'a dit, ah bon, donc par téléphone. Hein. Et il m'a dit, écoute, ben, écoute, je suis dans le coin, il m'a dit, est-ce que je passe et comme ça tu m'en parles. J'ai dit, ça va. Alors bon, mon ami Bombi est arrivé. Je lui ai un peu raconté ce qui s'était passé. Alors il m'a dit, Yasmine, viens, on va sortir faire un tour. Il ne faut pas rester à la maison. Comme il fait beau et tout, on va sortir. Je dis, non, bon, mais j'ai pas envie de sortir. En plus, j'ai plus envie de passer par la bourse et tout. Il me dit, non, non, il ne faut pas. Il m'a dit, Yasmine, il ne faut pas rester à la maison. Il m'a dit, il faut sortir. Il m'a dit, parce que si tu réagis comme ça, tu vas tout le temps avoir peur, tu ne vas plus sortir. Alors il vaut mieux que tu sortes maintenant avec moi, on est à deux. Je dis, d'accord, d'accord. J'ai dit, on passe, mais on évite de passer par la bourse. Il m'a dit, ça va. Qu'est-ce qu'on a fait? On est sorti, on a fait un petit tour à la grande place, et puis on est passé par la rue des Pierres. Donc la rue des Pierres, c'est la rue où il y avait les trois policiers, là, quand ils m'ont dit nord-africain et africain. On est passé par là. Comme il y a beaucoup de travaux avec le piétonnier, il y a, je veux dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je me rappelle, quand je suis sortie, j'avais mis une casquette. Je m'étais habillée. J'avais changé mes vêtements, j'avais mis un pantalon, une chemise et une casquette. J'avais peur qu'on me reconnaisse, aussi bête que ça puisse paraître. Alors que le policier m'avait dit, on va envoyer une patrouille, on va les arrêter. Hein. Mais j'avais peur, je ne sais pas, dans ma tête, je me rappelle, j'avais mis une casquette, j'avais ramassé mes cheveux et j'avais mis une casquette. On arrive à la rue des Pierres, près du GB Express, qui je vois, je ne croyais pas mes yeux, je vois un garçon qui m'avait mis la main dans la poitrine. Je dis, tiens. Là, j'ai eu peur. Il m'a pas reconnu. Parce que comme j'avais la casquette, en plus, il avait bu. Parce qu'il tenait une bouteille d'alcool et il marchait comme ça. Avec sa bouteille. Il m'a vu, mais il ne m'a pas reconnu parce qu'il est passé à côté de moi. Bombi m'a dit, j'ai dit, Bombi, c'est lui le garçon qui m'a touché la poitrine, c'est lui. Et Bombi a eu le réflexe, il m'a dit, donc, je vais le filmer avec ma caméra, avec mon GSM. Pardon, il m'a dit, filme, non, pardon, il m'a dit, Yasmine, filme. J'ai dit, non, non, Bombi, moi je filme pas, j'ai trop peur. Alors, et là, Bombi a filmé avec son GSM. Parce qu'après, Bombi m'a envoyé la vidéo du garçon sur mon GSM à moi. Donc, il a filmé avec son GSM. Il a filmé de loin, mais l'autre, le garçon qui m'a agressé, il était sous, il y avait des gens qui étaient autour de lui. Moi, je me suis éloignée, Bombi a filmé. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, mais la police, alors, elle les a pas arrêtés, ils sont toujours là. Là, moi, à la sortie, j'ai dit, écoute, Bombi, moi, je rentre à la maison. On est rentré. Bombi, il est resté un peu avec moi. Et puis, on s'est quitté. Il est parti, il est rentré chez lui, moi, je suis restée. Et le lendemain, Marina, je me rappellerai toujours, je devais sortir pour acheter du pain.
pour faire des courses, pour manger. Et bizarrement, moi, quand Marina, quand je sors, je suis coquette. Tu vois, j'aime bien... Tu me vois, j'aime bien mettre des bijoux. Pourquoi? Parce que, tu sais, pendant des années, Marina, des années... Moi, avant, j'étais pas comme ça. Avant, pendant des années, Marina, j'étais invisible. Je mettais des vêtements de ni garçon ni fille. Toujours des... Tu vois, des gros manteaux doudounes, là. Je prenais jamais soin de moi. Mes cheveux, je prenais pas mes cheveux, je mettais jamais de bijoux. Moi, pendant des années, Marina, des années, 35 ou 38 ou 36 ans, j'ai vécu comme si j'étais dans un placard, comme si j'étais cachée. Et depuis que le jour où j'ai décidé d'être moi, je me suis dit, plus jamais je vais être comme avant. Je vais mettre des bijoux, des jolies robes, arranger mes cheveux, me maquiller. Et quand je me suis fait agresser, Marina, je me rappelle le lendemain, donc le lendemain de l'agression à la bourse, je me suis dit, tu retires tout ça, tu retires ça, tu retires ça, tu vas t'habiller autrement, comme avant. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi? Et c'est là, Marina, que j'ai réalisé, en fait, c'est là que j'ai réalisé que un jour avant, le policier m'avait proposé une aide psychologique. Et j'avais dit non. En fait, non, il faut dire oui. Parce que c'est pas le jour même qu'on a besoin, c'est après. Parce que le jour même, il y a des émotions. J'avais faim, j'avais soif, j'avais envie de rentrer chez moi, la journée avait été longue, il y avait l'agression. Tu vois, tout ça, c'est après que tu ramasses. Tchouk, c'est pas le jour même. Et moi, ce jour, j'ai commencé à avoir peur. Pendant plus d'une semaine, je m'habillais plus que, je mettais un pantalon, une chemise, comme avant, une chemise ni homme ni femme, une casquette, je ramassais mes cheveux. Je mettais un nœud et je mettais la casquette. Je sortais comme ça. Et quand je marchais, j'avais toujours peur. Et en plus, j'ai oublié un détail, les personnes qui m'ont agressée, ils étaient toujours là à la bourse. Toujours, ils étaient là. Donc moi, qu'est-ce que je faisais? Ils ne me reconnaissaient plus. Parce qu'avec la casquette, le pantalon et la chemise, on ne me reconnaissait plus. Et en plus, moi, si jamais, parce qu'après, je ne passais plus par la bourse, je prenais la rue des Fripiers. Mais s'il m'arrivait de passer par la bourse, je faisais un grand détour pour ne pas passer à côté d'eux. Parce qu'ils sont souvent là. Ils sont souvent là. Et maintenant, pour venir, j'en ai encore vu trois. Tu vois, donc... Pour dire qu'une aide psychologique, il ne faut jamais dire non. Il faut toujours accepter. Parce qu'après, on ramasse ça. Et on a peur. Et moi, pendant plusieurs jours, j'avais très peur de marcher dans la rue. Je regardais souvent derrière moi, parce que je me disais, peut-être que si je marche à côté des Fripiers, peut-être qu'il y en a un qui va te voir. Peut-être qu'ils savent que tu as été à la police. Alors s'ils savent que tu as été à la police, peut-être qu'un jour, le soir, quand tu te marches, peut-être qu'il y en a un, il va te dire, hey, viens péder, tu as été voir la police, je vais te tuer. Donc il y avait tous des scénarios dans ma tête, tu vois. Et ça a duré plusieurs jours, plusieurs jours. Vraiment. Et c'est pour ça que je ne vois plus la vie comme avant. Plus comme avant. Vraiment, j'ai beau me dire, on est au centre-ville, on est à Bruxelles, capitale de l'Europe, il y a des lois qui protègent. Ah ben non, on n'est pas en sécurité. Et la conclusion de tout ce qui m'est arrivé, si je devais tirer une conclusion, si j'avais des conseils à donner ou des améliorations à faire vis-à-vis de du comportement de certains policiers, parce que toujours je tiens à préciser quand ce qui m'est arrivé avec le comportement des policiers, je ne généralise pas. Tous les policiers ne sont pas comme ça. Il y a des bons, il y a beaucoup de bons policiers. Et puis bon, malheureusement pour moi, ce jour-là, je suis tombée sur des policiers, j'ai pas envie de dire mauvais, mais on va dire des policiers qui sont pas très impliqués, ou peut-être qu'ils connaissent pas les lois, ou peut-être qu'ils sont, je sais pas. En tout cas, moi, le jour où ça m'est arrivé, j'ai croisé sur mon chemin 5 policiers, 5, 2 plus 3 après, et aucun n'a montré un peu de bienveillance, ni de compassion. Je voyais que je l'ai dérangé, honnêtement, je l'ai dérangé. Donc, je précise bien que si j'ai une conclusion, des remarques à faire, je le fais par rapport aux policiers que j'ai croisés ce jour-là, et que ce n'est pas tous les policiers.
Et donc, ma conclusion à moi, si j'ai un conseil à donner d'abord aux victimes, moi, le premier conseil que je donnerai, c'est jamais, jamais, jamais réagir par la violence à des gens qui sont violents. S'il y a des gens qui nous insultent, qui nous manquent de respect, se taire. Laissez les gens parler. Parce que notre vie, notre intégrité n'a pas de prix. On ne sait jamais comment les gens qui nous manquent de respect vont réagir. Ça, c'est vraiment très, très important. Réagissez pas. Sincèrement, laissez les gens parler. Laissez les gens insulter. C'est eux qui sont à plaindre, pas nous. C'est eux qui ne sont pas beaux à voir. Et moi, si j'ai un conseil à donner, on n'a pas forcément envie de ressembler à ces gens-là. On les laisse parler, ils sont dans leur méchanceté, ils sont dans leur violence, ils sont dans leur haine. Et nous, on se tait, continuons notre chemin, ne rien dire. Il y a des lois. Et grâce à ces lois, moi j'encourage les personnes qui se sont fait agresser comme moi d'aller au commissariat porter plainte. Même si j'entends beaucoup autour de moi, beaucoup de personnes qui me disent « ça sert à rien ». C'est vrai que moi aussi je peux dire « ça sert à rien » parce que moi j'ai porté plainte. Et c'est vrai que j'ai porté plainte et ça n'a servi à rien parce que mon dossier a été classé sans suite. Voilà, ça a été classé, il n'y aura pas de suite. Voilà, avec tout ce qui m'est arrivé, agression, les policiers qui n'étaient pas bienveillants, en tout cas qui n'étaient pas très professionnels, ben malgré cela, mon dossier a été classé sans suite. Mais ce n'est pas grave. Il faut aller au commissariat, porter plainte pour qu'il y ait une preuve. C'est le plus important. Vraiment. Parce que si on veut faire avancer les choses, si on veut faire évoluer les choses, c'est en portant plainte et pas en se décourageant. Moi, j'ai été découragée à un certain moment. Je ne le cache pas. J'ai vraiment, un instant, je me suis dit, surtout après ce que m'avaient dit les trois policiers avec l'histoire nord-africain, là, je me suis dit, est-ce qu'on joue avec mes pieds ou est-ce qu'ils font ça pour... Mais vraiment... Je me suis sentie comme si on essayait de me vider de mon énergie et pour me faire comprendre que cela ne servait à rien. Non, il faut y aller. Ne jamais réagir par la violence, ne rien dire, vraiment. Moi, j'encourage les gens à laisser passer. Aller au commissariat et porter plainte, tout simplement. Voilà, ça c'est le plus important. Et savoir aussi qu'il y a des brochures comme celle-ci. Donc ça, c'est une brochure qui m'a été donnée où c'est un support pour les victimes. Où on explique quels sont nos droits, ce qu'on peut faire. Il y a des numéros de téléphone, il y a des conseils. Et ça, vraiment, j'encourage toutes les personnes qui se font agresser comme moi, donc par des insultes ou plus, d'avoir toujours cette brochure sous la main et qui nous explique tout ce qu'il faut faire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je veux dire, la chose la plus intéressante que j'ai appris ce jour-là. Voilà, donc il y a une brochure qui nous explique ce qu'il faut faire. Concernant la police, concernant certains agents de la police, parce qu'il faut être précis et pas généraliser, concernant certains agents de la police, je ne sais pas quoi penser, franchement. Je me dis, j'essaye de me mettre dans leur tête, je me dis, est-ce que certains policiers sont blasés, est-ce qu'ils sont fatigués? Est-ce qu'ils se disent, oui, ça ne sert à rien qu'on aille les arrêter, ils vont quand même être relâchés? Est-ce qu'ils se disent, homophobie, il y a pire, je ne sais pas quoi penser, vraiment. Moi, je me dis, il y a beaucoup de bons policiers, et puis il y a des policiers qui sont peut-être moins impliqués dans ce qu'ils font. Voilà, ça on peut, n'importe quel métier, que ce soit un boulanger, que ce soit un coiffeur, que ce soit un plombier. Il y a toujours des plombiers, des boulangers, des coiffeurs qui aiment ce qu'ils font. Alors ils vont faire du bon pain, ils vont bien coiffer. Celui qui aime faire son boulot, il va le faire correctement. Voilà. Donc comme je disais, le bon plombier, il va bien faire son travail, le bon boulanger va faire le bon pain. Le mauvais boulanger qui fait ça juste parce qu'il faut gagner de l'argent, il va faire du mauvais pain, tout simplement. Le mauvais plombier va faire un mauvais travail et le policier qui n'est pas impliqué, ben, il va faire du mauvais travail. Il va donner une mauvaise image, mais voilà. Il y a toujours, donc, comme partout, il y a des gens qui sont, beaucoup de gens qui sont impliqués dans ce qu'ils font. Et puis il y a des gens, peut-être qu'il faut les former un peu plus,
qu'il les formait au fait qu'il y a des lois et qu'ils sont là justement pour appliquer les lois. Ils ont un uniforme qui force le respect, parce que moi, je veux dire, quand je me fais agresser, je veux dire, la première réaction qui me vient, moi ou à d'autres personnes sensées, donc des personnes qui raisonnent, je veux dire qui raisonnent d'une manière cohérente, ils vont se dire, tiens, la première chose que je fais, c'est d'aller demander la protection à un policier. Voilà, et comme je disais là en conclusion, j'ai, voilà, en tout cas, l'attitude des policiers n'était pas digne de l'intelligence de notre société, du degré de, je veux dire, du degré de d'intelligence de notre, de ceux qui font les lois, voilà. Peu importe, je veux dire, les partis, peu importe qu'on soit tel parti ou tel parti, je veux dire, à Bruxelles, capitale de l'Europe, ça veut dire beaucoup. On se doit d'autant plus d'être exemplaire, vraiment, parce que l'idéal européen, en tout cas l'idéal européen, il est, je veux dire, il est surtout symbolisé ici, capital, le mot capital, je veux dire, ça veut dire beaucoup, et je veux dire, et on se doit justement d'avoir une attitude. Donc là, je parle des policiers à qui j'ai eu affaire. On se doit d'avoir une attitude digne, voilà, digne de ce que représente Bruxelles. Voilà. Et j'aimerais dire à toutes les victimes, qu'elles soient LGBT, qu'elles soient vraiment, je veux dire, quand on est victime, on a un point commun. On a subi un préjudice. On peut être victime de racisme, on peut être victime de discrimination, on peut être victime d'homophobie. Je veux dire, quand on est victime, le premier mot qui vient, c'est victime. Et là, j'aimerais dire à toutes les victimes, mais vraiment à toutes les victimes, faites de vos droits une réalité, une vérité, car nos droits existent et il faut tout faire pour que ces droits existent dans la réalité et dans le quotidien. 22nd of February, European Day for Victims of Crime, making victims' rights a reality.